Hello tout le monde, c'est Asso. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, on va jouer à Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Troisième épisode pour ma part déjà aujourd'hui et je me suis arrêté à un moment un petit peu énervant pour vous je suppose, où on était dans l'hélico et on allait poser sur la Mother Base magnifique et on va enchaîner tout de suite à partir de là, voyons voir ce que ça donne. Et aux petits oignons les graphismes, hein. Putain c'est magnifique. On va voir ce qu'on peut faire ici. Alors le pilote de l'hélicoptère. Respect monsieur. Oh il spam. Eh hey, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Easy peasy man. Bon, faudra qu'on rafistole Miller aussi. Souvenez-vous, épisode précédent avait sauvé la vie de ce monsieur en Afghanistan. We're pulling money, recruits, just to combat cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for wet work, and we answer. No greater good, no just cause. Monsieur. Cause. Cypher sent us to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. Oh, t'as une corne qui a poussé d'ailleurs. Ouh, il est vénère. Oui, il est vénère. Dogs of war for 9 whole years. That ends today. Now you're not sleeping. And we're not junkyard hounds. We're diamond dogs. Ouh, ça c'était une phrase. We can crush Cypher, boss. And you can build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. Absolument. Ça c'est bien dit, boss. C'est beau, hein. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est magnifique. Bien, on peut se promener. Oh là, ça c'est bon ça. Oh là 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 là. Apprenez à gérer Mother Base. Concerns the running of Mother Base. Come meet with me. Arrive amigo, andale. Okay. This base belongs to you now. Ça c'est bien ça. Diamond Dogs, the force it deserves. Like any organization, we need good people, and we need to make good use of their talents. Asked me to lay that out for you. Nice. Putain, c'est classe mon pote. C'est quoi ça? Start bringing people in. Use this. It's a Fulton recovery device. Okay. When you're in the field, use it to extract any prisoners you want back here. And we'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. Anyone you want. First, put them to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? Don't pull any punches. Out like a light. Now approach him and extract him. Good. Extraction arrived at Mother Base. You can only bolt and recover someone if they're not resistant. C'est no génial. Dead bodies either. It don't make great recruits. The staff member you just extracted will be assigned to the team best suited to his abilities. See for yourself. Open your eye droid. Select staff management from the Mother Base menu. Gestion du personnel. So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that will support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. Équipe de soutien, tout le personnel, tuer ancien, salle d'attente.
équipe de recherche et développement. Et il fallait que j'aille sur quoi? Excuse-moi parce que j'étais à... Quoi? Ouais, pardon. Ça va, elle va pas t'énerver. Weapons items under the development heading. Oh là 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 là. Attends, va. Armes et objets. That's the R&D team's development list. See the item called cardboard box? Didn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd want it on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Extract a few more people. Ça marche. Boss, put the iDroid away for a moment. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try knocking someone out with CQC? Excellent, Boss. Now extract. Je trouve ça génial, franchement c'est du grand art quand même. On n'est pas d'accord? Regarde ça. Extraction complete. One thing I should mention. C'est génial. Fulton extraction won't always be successful. Ah bon? If the person is injured, the shock of it could kill them. And if the weather's unfavorable, well, they could end up going missing. You can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. Ouais, j'ai vu ça les 100%, très bien. Sure you can get them out. Best carry them to the chopper instead. All right. Extract the next staff member. Ah, visiblement, ce sera toi. Extract him. Start by knocking him out, or you can put him to sleep. Let's do it, boss. Extraction arrived. Now that we have more control of the R&D team, its level has gone up. They should be able to develop the cardboard box. Open your eyes. Ah, ça y est, on peut développer le carton. C'est génial. Weapons items under the development. Now select cardboard box and start development. Just be aware that development requires funds. GMP. Watch we don't end up in the red. Ça, alors, ça demande du fric et ça demande également du temps, visiblement. Bim. Development has finished. Please select a drop point. You can have the support unit supply you with weapons and items you've developed. Think supplies of it as your requested. Own personal delivery service. Supply drop complete. Avons-nous un truc de parachute, quelque chose éventuellement? Ah bah oui, la voilà. Waouh, sympa. Et voilà ma box en carton. Staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. That about does it. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your iDroid and select a landing zone to tell it where to pick you up. Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses, you can stay around here a while. Give the men some practice. Just come pay me a visit. D'accord. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Qu'est-ce que c'est que ça? Une douche. Intéressant. Voyons voir. Mother base, gestion du personnel, base de données. Alors ça, on ne peut pas encore faire. Gestion du personnel. Nous avons. Non, attends. Minute papillon. Voilà, c'est pardon. Unité de soutien, tout le personnel, voilà. On a 3 personnes d'unité de soutien. Contrat direct. Ah. Et alors quoi, quand ils sont en contrat direct, ça veut dire quoi? Qu'ils sont fixes chez nous ou comment ça se passe? Merde, on peut même basculer l'affichage, c'est abusé. Langue anglais. Oh yes, on peut. Oh oui, c'est bon ça. Alors par contre, je ne sais pas quels sont les différents trucs qu'il y a à droite là. Et je ne sais pas non plus ce que ça représente le fait de les sélectionner, oui ou non. Je sais pas. Ok, sain. Ok, d'accord, très bien. Ah ouais. Ok.
Et alors les talents, qu'est-ce que tu as comme talent? Les compétences également, je ne sais pas, j'ignore complètement. Combat, probablement, enfin, tout ça à droite là, je sais pas ce que c'est. Bon, très bien. Ouais, anyway. Ok. Équipe de recherche et développement. Non, je vois pas trop. ED. Non, je sais pas. Ces compétences, je ne sais pas comment. Ouais, non, je sais pas. J'ignore. En tout cas, on peut avoir 3 personnes sur 30. On a que 3 personnes là? Really? Bon, on a 6 personnes au total là. Ouais, je sais pas. Ah, trier, d'accord, ouais. Changer de mission, pardon. Select unit. Salle d'attente, renvoyer. D'accord. Bon, très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec eux là? Bye bye. Extraction arrived at mother base. Extraction arrived at mother base. Extraction arrived at mother base. Moi je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial. Je trouve ça juste énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore ici? Je crois qu'on peut trouver des trucs ou je ne sais pas. Non, comment on fait pour descendre? Attends, on refait. Et comment on fait pour sauter? Ah bah voilà, très bien. Attends, on va rester où les douches? Je sais pas, on va regarder hein. Ah, c'est ça la douche. Ah, la propreté, mec. Ouais, on va ça, on est bien. Bah en fait y'a plus personne là. C'est un peu ça le problème, j'ai tout défoncé. Alors gestion du personnel, du coup on est censé avoir plus de personnel là. C'est ça ou c'est pas ça? Merde putain, chaque fois je me plante de trucs. I'm ready, boss. Quoi, pour te prendre une tarte? Soit hein. This isn't like you, Snake. Try one more time. Encore? Mais le mec il est pas content je pense là. On prend ton arme en main, ouais. Once you grab someone, you're free to do as you like. Interrogate him, knock him out, kill him. Scratch that last one for now. Go ahead and knock him out. Quelque chose comme ça? Extract the staff member. Bah c'est reparti hein. Voilà. Eh mais ça me coûte 300 balles à chaque fois ton histoire là hein. Hasta luego monsieur. Strike an adversary repeatedly to knock him out. He'll stay unconscious for longer than if you throw him. Ok. Oh bah encore une fois on ne sait pas d'où ils sortent ces gens là mais Hop, ça c'est fait. Ensuite. Entre les deux yeux, mec. Pan. Starting to feel like yourself again. The rest will fall into place with some time in the field. Go ahead and call the chopper from your eye drone. Ouais, on va faire ça. Alors, placer, ôter un marqueur, ouais, changer, réinitialiser les coordonnées. Et mission. Alors. Appel hélicoptère de soutien, cassette, journal, largage d'approvisionnement.
Ah oui, c'est ici, ok. Ah bah allons-y. Rendez-vous. On peut avoir un soutien aérien. Please select a landing zone. Landing zone. This is Pequod. Arriving shortly at LZ. Ouais, merci. Oh, magnifique. Non, franchement, c'est magnifique. This is Pequod. On station at LZ. Ah, allons-y, voyons voir ce que ça donne cette histoire maintenant là. Enchaînons. Et voyons voir ce qu'on a à faire, les amis. Voyons voir ce qu'on a à faire, c'est magnifique. Salut, mec. A plus, hein. C'est magnifique. Regardez l'autre. Salut. Et ça, c'est à nous, les gars. On va en faire quelque chose de grandiose. On va en faire quelque chose de grandiose. Extraction arrived at mother base. 4 fois du personnel, ok. Development project has been added. Wouh, wouh, wouh. Regarde-moi tout ce qu'il y a. Grenade fumigène C4. Oh là là. Ils ont craqué. Temps de jeu total 4h25. Suivant. Moins 3006, pourquoi? Coup de soutien. Ah ouais. Bon, oui, c'est pas grave, on s'en fout. Héroïsme actuel, oui, bon, en même temps, il a pas beaucoup bougé, puisqu'en même temps, hey, hey. Tu vois ce que je veux dire. Ils nous feront ça à chaque mission, ou... On sait que c'est Kojima qui l'a fait, hein, t'inquiète pas. Ou alors, c'est pour pas qu'on filme, justement, sur YouTube. Bande d'enflure. Briefing de slot, voyons voir. Au selon tu. Arrière de plaque d'identité. Ouais, ok. Soit. Appuyons rapidement sur la touche C1 sans bouger. Vous pouvez effectuer un maximum de 5 coups de pied et de points consécutifs. Mais il sera assommé lors du coup final. Et l'effet durera plus longtemps qu'une balle tranquillisante. Alright, babe. Tu vois ? Achèvement global 1%. Boss, I know you haven't been back long, but I prepared a list of missions for you. Open your eye droid. On va voir. Liste des missions. Please select a mission. I've taken the job offers Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high-value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. Mm-hmm. We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. Okay. I hope you rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone. The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. Ok, mec. Alors, du coup, si j'ai bien compris, et je suis en train d'essayer de voir et de réfléchir et de comprendre et tout le tralala. Déplacement libre, zone d'opération ou Mother Base. Afghanistan, Mother Base. Ok. Très bien, très bien. Et donc les missions disponibles, etc., etc. Ok, j'ai compris. Alors, il y a apparemment des objectifs à accomplir. Ici, on a donc accompli tous les objectifs. En fait, non, pas du tout. Vous avez sans activer le mode réflexe. Ah bah non, très bien. Là, il reste plein de choses à faire. Vous avez un diamant brut caché dans les ruines de Spugmei. C'est quoi les ruines de Spugmei? Vous avez accompli la mission sans vous faire repérer par les crânes. Vous avez sécurisé les diamants bruts cachés dans les ruines de machin. Vous avez extrait le commandant. Vous avez extrait le commandant du camp militaire de machin. D'accord. Alors on pourrait se refaire celle-ci, ou alors on peut se faire autre chose comme ça par exemple. Écouter la cassette du briefing. Éliminer le commandant de détachement du Spetsnaz impliqué en secret dans l'opération Terre brûlée en Afghanistan. La cible et son unité de reconnaissance occupent le village de Chago et se préparent à un assaut.
D'accord, donc faut tuer quelqu'un, détruire les équipements de communication soviétique pour empêcher l'envoi de renforts dans les avant-postes. Mission de destruction et extrayer l'ingénieur qui a tenté de s'échapper du camp de base soviétique et est maintenant retenu dans les cantonnements de... D'accord. Attends voir. C'est où, c'est ici? Ouais, c'est là. Waxin Barak. On peut sortir le... On peut extraire le commandant depuis la mission qui est là ou pas? Puisque finalement on est dans le même secteur, donc est-ce qu'on a le droit, oui ou non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez quoi? On va faire la mission qu'on n'a pas finie, c'est-à-dire celle-ci. Et on va voir ce qu'on a comme objectif. Attends, annule. Est-ce qu'on peut placer où on peut se placer où on veut dans cette... Non, on peut pas. Bon, très bien, accepter la mission, ok. On va retourner sur la même zone finalement. Nice. What the fuck? D'accord. On va voir. Arme principale, qu'est-ce qu'on peut prendre? Rien du tout. Arme de soutien, machin, d'accord. Objet. Alors on a une boîte. On a rien d'autre. Très bien. Et outils. Android, dispositif, machin. Lunettes, un truc. Ok. Sélection du véhicule. On n'a pas de véhicule. Choix du personnage. Uniforme tigré. On peut changer l'uniforme peut-être. Kaki. Nice. Option de la tête. Aucune. Ok. Alors on a le droit qu'à un seul... Non, quand même pas. D'accord. Bon, on va lancer la mission. Putain, c'est bien foutu cette histoire là. Ok, très bien. Nice. Alors on va retourner sur la même carte qu'on était déjà sur les précédents épisodes, mais on va essayer de boucler tous les objectifs qu'on a encore à faire. C'est-à-dire que là, il faut qu'on récupère tous les diamants bruts, par exemple, qui sont à la... Je ne sais déjà plus. Bon. On va voir où ça se trouve, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ah oui, ça c'est un truc qu'on connaît déjà. Alors je suis désolé, je passe, hein, ça m'évitera de faire pas mal de choses. Ouais, on connaît. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Got your binoculars, or should I say your int scope? See the village? Straight ahead to the right. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. Ah merde, c'est quoi qu'il fallait faire de nouveau? Allô? 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 That's VLO Village. The VLO Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviet's 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Take a look through your binoculars. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Marker good. Placed. Now you won't have to worry about getting lost along the way. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. What's left in him? I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. Ouais, c'est malheureux. Hein. But we need more intel. If you just go charging into Dewandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move.
Oui, on va essayer de faire ça autrement là, quand même. Parce que bon. Ouais, merci, super, bisous. Donc en fait, on rejoue les mêmes cinématiques, etc. C'est un peu dommage ça. Alors, bon, comme vous. Alors, c'est peut-être des gens qui n'ont pas vu, malheureusement, je suis désolé, mais c'était les premiers épisodes, hein, les amis. Donc moi, je vais zapper ça. Et on va retourner rapidement dans les missions. Largage d'approvisionnement, non ça va. Vous avez extrait le commandant d'un camp militaire de machin. Ouais, non, vous avez extrait le chauffeur de camion de transport. Celui-là, je sais où il est. Enfin, je sais où il est, non, mais je sais qu'il passe de temps en temps. Donc ça, c'est ok. Maintenant, vous avez sécurisé les diamants bruts cachés dans les ruines de Spugmei. Spugmei, c'est où? Ah, bah c'est là les ruines de Spugmei. Ok, d'accord, très bien. Donc là-dedans, apparemment, il y a plein de choses. Soutien coéquipier, sauveteur, dégaine rapide. Ah. Ok. Y a pas d'opération secondaire. Les cassettes, on s'en fout un peu. Largage d'approvisionnement. Bon voilà, très bien. Please select a drop point. Munition Fulton. Arme objet. Ah ouais. D'accord. Et matériel, qu'est-ce qu'on peut... Ok, donc après tu peux te faire des genres de sets, un petit peu d'équipement. Alors, il paraît qu'il y a des trucs ici, des diamants. Why don't you do a little more practice in those ruins? Shooting, taking cover, climbing obstacles. See to it that 9-year gap doesn't slow you down. Bien, on va essayer de pas perdre trop de temps là-dessus. Faut que je trouve des diamants. Où est-ce qu'on pourrait trouver des diamants ici? Des fois que, hein, c'est dedans, on sait jamais. Non, y a pas. Y a pas. Bon, on devrait les voir briller, ça devrait être assez rapide, mais... Est-ce que ça pourrait pas être planqué en haut, vous croyez? Qui sait? Putain, c'est chiant. On peut pas monter quand même, si? Non, on peut pas monter. Aïe, on va passer 30 ans à chercher les diamants là? Vraiment? Oh, salut! Comment c'est arrivé là-haut ça? Et comment on récupère ça? Mais je me suis dit, on sait, dans le doute, on sait pas. Comment est-ce qu'on peut récupérer ces trucs? What the fuck, mec? Non mais sans déconner, tu récupères ça comment? Je crois qu'il est là-haut, notre diamant. Si c'est le cas, c'est vraiment pas sérieux. Non mais sans blague, tu récupères ça comment en fait? What the fuck, man? Really? Ouais. Alors si quelqu'un a une idée, je suis complètement preneur, n'est-ce pas? Parce que là, j'avoue... Oh yes, bah c'est bon, j'ai compris. Et tout ça, je ne peux pas le prendre, bien entendu. Mec, il saute. Il saute en faisant une roulade, il en a rien à foutre. Bien, c'est pas tout ça. Mais je ne sais pas où est cette foutue caillasse.
Aïe 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 aïe. Non vraiment. On est bien d'accord que c'est bien ici hein, la mission qu'il y a à faire. Sécuriser les diamants bruts cachés dans les ruines de Spugmay. Elles sont pas grandes les ruines pourtant hein. Non, elles sont pas grandes les ruines. Mais elles sont cachées, voilà, très bien. Donc ça marche. Cachées dans les ruines de Spug truc. Non, pas du tout à ce moment. À son cours après le rat en fait, mais pas après le diamant. Bon, très bien, on va pas passer 30 ans à faire ça. Je suggère qu'on passe à la suite et que j'irai soit regarder sur le net si ça me prend trop la tête. Parce qu'on va pas non plus passer 30 ans à chercher un diamant. Si surtout s'il y en a qu'un seul en fait dans cette histoire. Bon, très bien, alors voyons voir la suite, c'est quoi? Le chauffeur, ouais, et extraire le commandant, le truc du commandant là. D'accord, très bien. Ah, voyons voir. Réserve biologique déjà obtenue. Ah ouais, ok, on peut pas récupérer deux fois le même. Attends, on peut passer à gauche là? Non, on peut pas. J'allais dire, on ne peut pas. Bon, c'est pas grave, j'irai chercher sur le net. Au pire des cas, il n'y a pas trop de soucis. Je vais voir si on peut déjà récupérer un petit bonhomme ou deux là avec notre système de parachutage et je ne sais quoi. Ce sont des Russes, donc peut-être qu'avec un peu de traduction ou je ne sais pas comment on peut faire, on va pouvoir discuter avec les mecs. Voyons voir. Bah, dis-moi qu'il y a personne. That's marking. Focus on the thread and it'll be marked automatically. Security at that guard post is relatively light. Looks like the perfect place for a warm-up. Try to remember the ways you used to deal with enemies. Anytime you need advice, just give me a call. Those materials are already processed. That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. Il y a des choses qu'on a toujours pas récupérées sur certains endroits, c'est bien. On va pouvoir les récupérer maintenant. Parce que j'ignorais au début qu'il y avait possibilité de rentrer dans les maisons et de récupérer des choses. On fait ça maintenant, voyons voir. Sight, sound, keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. Ok. Bien. Ouais, alors ces diamants, ça fait un poil chier quand même. Je vais voir si je vais pas peut-être trouver le conducteur en faisant la route dans le sens inverse. Avec le poney. Des fois qu'on va arrêter le mec. Le mec qui roule en camion, on va lui péter sa gueule juste. Ça va être très drôle. Oh. Bah pourquoi faire? On va l'emmener, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ciao. Et le premier bonhomme extrait. On lui rush dessus, allez. Allez, crash. Boss, you don't understand what he said? I guess that makes sense. It looks like that horn stuck in your head has impacted the language center of your brain. If only we had a recruit with a Russian interpreter skill, we could get by with simultaneous interpretation. Ah, il m'en reste 10 des. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Allez, tu dégages! Wouhou! Stalego! Bien!
On va y voir. Got him. Anyone else? Pas pour l'instant, tout de suite dans l'immédiat là. Regarde-moi ça, j'ai oublié plein de choses, Ça c'est bien. Maintenant. Alors attends, on va appeler le. De Pony. De Super Pony. Et on va voir où est-ce qu'on peut trouver ce. Alors déjà, je pense qu'il y a une maison dans laquelle je suis pas allé visiter, c'est doit être celle-là d'en haut là. Tu vois, je savais qu'à un moment donné ça allait passer. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Ok, j'ai peut-être déjà pris, mais alors visiblement. It's up to you whether to slip by enemies or take them down. Ah, just remember that any situation can change fast. Familiarize yourself with your weapons and items while you can. Ouais, bah j'aimerais bien me familiariser avec le cigare, moi. Mais je ne sais pas la touche. Malheureusement, je ne connais pas la touche. Bon, allez. On va essayer d'utiliser notre poney dans ce sens-là. On va faire la route dans l'autre sens. Et on va essayer de couper la route au bonhomme qui est en camion. Je suis rentré dans ce bâtiment, ouais, sûrement. Ah, ok. Je sais pas comment on change de sens. Ouais, c'est pas grave. Avance. Voilà. On y va là. Ah bien sûr, faudra qu'on torche la mission pour valider tous les objectifs, etc, etc. Bon, c'est pas trop un problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait une bestiole et j'ai vu qu'on pouvait transporter les bestioles aussi. Elle est où la bestiole? T'es trop mignon! Oh, il est trop classe! Embarque-le! À mourir de rire ce truc! Non, vraiment, c'est n'importe quoi! C'est tellement génial! Alors, on a embarqué, je sais pas si c'était un loup ou un chien. J'aurais plus dit un chien, un husky ou un truc comme ça. Cool! On a un clavard maintenant à la maison. Trop de la bombe. Viens voir si on peut pas embarquer un mouton ou un truc comme ça. J'ai vu qu'il y avait d'autres bestioles encore, mais je ne sais plus où. Bon, on va sûrement en trouver. Et je vais embarquer un mouton ou je ne sais quoi. Je sais pas trop ce qu'on peut trouver en bestiole. On verra bien. Ouais, on va voir. Nous avons 1, 2, 3 personnes. Plus de l'armement. Ouais, visiblement c'est ça. On va laisser le poney ici, on va finir à pied. Extraction arrived at Dog. C'est bien un chien. Un chien, voilà. Voyons voir. On va essayer de faire ça un peu mieux qu'avant. Et un peu mieux que. Enfin, quand je dis avant, c'est les mieux que dans les autres épisodes au niveau de l'infiltration parce que c'est vraiment pas génial. Ce que j'ai proposé depuis le début. It's an enemy guard post. Ouais. Watch yourself. Certes. On va prendre plus notre temps cette fois-ci. En même temps, on n'est pas pressé plus que ça, on a le temps, on fait des trucs, voilà quoi. On va essayer d'avancer assez vite quand même. Знаешь кого-нибудь из РВСН? К чему это ты вдруг? Только что рассказали об одном подполковнике, который не отреагировал на ложное срабатывание системы раннего оповещения. Он получил официальное взыскание. Выговор? Но он был прав. Ядерного удара не было. Это протокол. Если система включается, нужно запускать ответную атаку без колебаний. Если бы он следовал протоколу, американцы начали бы контратаку. Да? И это однозначно была бы ядерная война. Тогда выходит... Что подполковник спас мир. Да, но инструкция важнее всего. И не важно, прав был этот подполковник или виноват. Comprends ce qu'il dit. Что бы сделал ты на его месте?
comprendras ce qu'ils disent, les gars. Crois que je me fais capter si je vais là? Peut-être bien. J'aurais bien aimé tirer au mortier en fait. Merde. Bon, on va attendre qu'il se pointe lui. S'il se pointe. Oh putain, le con. Oh le con! Ok, on va attendre. J'espère que lui ne me verra pas là. Il est en train de fumer sa clope à l'intérieur, c'est très bien. Ouais, on a le temps. On va l'embarquer plus tard, hein. On va l'embarquer plus tard. Là on va juste s'assurer de toucher l'autre, le petit dernier là, enfin le petit dernier, l'avant-dernier plutôt. J'essaye, hein, c'est un truc, je ne sais pas, on fait des essais les amis. Putain, la violence du truc mon pote. Tout va bien. Je crois qu'il était en train de se réveiller l'autre là. Nice. Bam, headshot. Allez hop, on envoie tout. Je sais pas à quoi ça sert d'emmener tout le monde, mais mais on peut. Voilà, parfait. Au moins ils sont pas dans notre chemin, remarque. Ce qui est aussi une très bonne chose. Voyons voir, y'a pas quelque chose que j'ai zappé ici? Non. Non, visiblement non, très bien. Alors, on va emmener... Sauf que c'est dans l'autre sens que je dois aller mon pote, mais c'est pas grave. Je t'en veux pas. Allez, les amis, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode. Je commence à toucher un petit peu. Oh, 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 attends voir. Je commence à toucher un petit peu, ça me fait plaisir, vraiment. Y a deux trois petits trucs qui se sont rajoutés entre temps, là, l'histoire de... L'histoire du parachute, etc, etc, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le principe, j'adore le concept de pouvoir récupérer les trucs. Bien entendu, le concept du monde ouvert, je suis vraiment fan. Je vais continuer probablement encore quelques épisodes aujourd'hui. Je ferai un petit peu de DayZ un peu plus tard dans la journée, mais là je suis vraiment chaud et vraiment content de pouvoir jouer à Metal Gear en fait. Je vais rester là-dessus pour l'instant. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Les amis, je suis en pleine vacances. Si jamais vous ne comprenez pas pourquoi il y a si peu de vidéos, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur le dernier vlog, voilà. Je le dirai dans quasiment tous mes épisodes, donc n'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez d'autres infos. Moi, je vous laisse ici pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Si vous voulez vous abonner, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à le faire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao tout le monde.